Assistante administrative le matin pour une start-up, téléconseillère l'après-midi pour une grande entreprise. Depuis 4 mois, Muriel se partage entre deux activités. Il y a un temps d'adaptation parce que c'est deux milieux complètement différents. Donc, ce qui fait qu'il y a beaucoup de choses à retenir, à travailler, à reprendre, à se remettre un peu dans le bain. Une gymnastique que Muriel a acceptée à 45 ans car elle avait du mal à trouver un temps plein dans une seule entreprise. Elle a donc fait appel à un groupement d'employeurs, une structure associative qui lui permet de regrouper ses deux emplois en un seul contrat de 35 heures. Une formule intéressante pour les petites structures comme celle où travaille Muriel. Quand on est une start-up, on est en pépinière d'entreprise, on a peur de prendre des risques. On ne sait pas où on va. Donc le groupement d'employeurs vous permet de prendre quelqu'un en temps de travail adapté à vos besoins et d'évoluer. La personne évoluera son temps de travail en même temps que votre société. Une flexibilité qui rassure les entreprises et qui a également d'autres avantages. Car le groupement d'employeurs s'occupe de pratiquement tout. Il y a toute la partie bien entendu administrative, hein, on les soulage au niveau de l'administratif. Donc on les déclare à l'URSSAF, on fait les ACEDIC, la visite médicale, on s'en occupe également. Et il y a la partie, en 2016 comme vous savez, on a la mutuelle donc, qui est obligatoire. Donc on propose également la mutuelle à nos salariés. Vous avez d'autres agences. Bâtiment, commerce, industrie, tous les secteurs sont désormais concernés. La pluriactivité représente en France plus de 38 000 emplois.